الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لنا وجود الخاتم لما صرف ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم امين. رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يا همه الشيخ اخرج لنا في هذا المحضر امين وانت عرفي بنظرة تعطينا بالزمن آمين إفراد وظنك نزوري لأجزنا والتحضر نعم إفراد وظن في المحضر تعطينا بالزمن آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العظيم آمين إنسان مكاس عطاء سبحانه وتعالى نعم Nous le prions et nous faisons beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salim. En ce vendredi béni qui pour nous est le deuxième vendredi depuis notre retour du Maroc. Non. Aujourd'hui, la Zawiya est dévorée par beaucoup de diffuseurs. Non. Celui que vous voyez à ma gauche. Et qui pour vous est à votre droite? Non. Il s'appelle Cheikh Ibrahim Issa. Non. C'est mon frère au Yoruba. Non. Mais qui vit à Kaoula au service des enfants de Cheikh Ibrahim Issa. Amen. Et aussi qui nous présente son chef au Nigeria. Non. Il a été accompagné par Cheikh Mohamed Nazir. Non. Que tout le monde connaît. Bien. Notre frère, fils de Cheikh Abourahim. Non. Qui représente aussi notre imam au président Spahi. Non. Et accompagné aussi par son frère qui l'a accompagné. Non. Il est quitté à Kaoula. Ah. Mais je pense que nous tous aussi à Kaoula. Tout le monde est bien. Donc il comme là la Kaoula. Oh. Donc nous le souhaitons la bienvenue. Non. Il est venu pour saluer Inch'Allah. Ah. Mais aujourd'hui également, non. Mon frère Ahmed Ouattara. Non. Qui se cache derrière dans celui qui l'enlève. Ah. Lui aussi, que le chef combattant du chef de la MS. Non. Dans la ville de Kadjolo, c'est ça? Ah. C'est au Mali, pour ceux qui ne connaissent pas Kadjolo. Non. On a fait sa connaissance aujourd'hui, je voulais faire visite vendredi ainsi que la prière de vendredi avec vous. Non. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue. Ah. C'est bien Ouattara. Non. Et Ouattara, c'est pour lui le pays. Bien. On a dit pour les gens. Ah. Nous souhaitons aussi la bienvenue. Non. À une grande délégation. Ah. Qui est. La première délégation que je veux saluer. Non. Depuis notre tour de Fès. Non. Il s'agit de la Zawiya d'Agobo. Tiens. La Zawiya du Bukata, le regretté. Non. Cheikh Abdul Ghani. Allah. Qui a été rappelé de la grâce par Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Aujourd'hui, toute sa Zawiya s'est mobilisée, homme comme femme. Tiens. Ils sont venus nous dire qu'ils vont arriver. Non. Ils avaient l'habitude, après la petite fête ou la grande fête, non. Ils se mobilisaient ensemble pour venir nous saluer. Tiens. Cette fois-ci, nous étions en voyage. Donc, ils ont fait une qui est en deux coups. Non. La salutation pour la fête et en même temps souhaiter la bienvenue. Tiens. Du Maroc. Non. Nous leur disons un grand merci. Que Dieu le compense de la meilleure façon. Amen. Alhamdulillah. Non. Comme vous savez très bien. Ah. Il y a beaucoup de choses à dire. Tiens. Donc on va commencer, Inch'Allah, par notre frère Cheikh Ibrahim. Non. S'il a un mot
vous te rencontrer dans certains détails, Inch'Allah. Non. La sœur Ibrahim, il y a vraiment quelqu'un de beaucoup dans toute Biara, un microphone, après cette article, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أو الفاتحة ما سبقنا صلى الله بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وقد الكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين يرمت الرسول الله القرى المقدسة أمنين والأدلال قبل مؤسسة رسول وأصل الناس ماء وجدل فلا عز من ذاك الزمن والنساء تقوى في الأطوال في كل هيكل وآتقنا للناس كرما مقدسا وجاء بأمر الله جميع مباشرا نذيرا شهورا ذاكرا ومقدسا قد الله أقواما وفوء أجلة وجل لهما خلق له وطمسا ألا أذكري صديقه ثاني أبيبنا فقد أنفق الأموال أمال أنفسنا وأروي إلى ذكري سراج ملاسنا وذا عمر الفاروق ما لم يوسوس تفلس بزنورين عثمان مانيا وقد قدد الأموال في الله مبسا وهم به وسر البدر باب علومه علي ابي سنتين ليس مقدسا بجاء رسول الله بجاء رسول الله واصحاب جملة فلم يسكروا به نفس القرب نفسا صلاه وتسليم عليه بقدره مع الال والاصحاب ممن تقدس الله لا إله إلا الله 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 قال الله عز وجل سيدنا وقولنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصديق الأكبر وفاروق وزير مريه وبن مدينته حق قدرته ومقدار العظيم. قولوا آمين. آمين. الحمد لله. Je vais parler en français. D'abord, je salue Yachar et le travail excellent qu'il fait dans ce pays. Le bon Dieu lui bénisse. Amen. Il lui donne une bonne vie. Amen. Bon, son frère a presque parcouru tous les pays de l'Afrique. Je suis au Nigeria et au Sénégal en France. Mais avant de dormir, j'ai entendu son nom par le travail qu'il fait ici, sur le chemin de la faille de Bahamas. Donc, le bon Dieu lui renforce, lui donne une longue vie et le soutient beaucoup plus. Et je salue tous les membres de la mosquée aussi, parce que je suis dans ma famille. Donc, la famille de Bahamas, ça va dire Bahamas, c'est une seule famille. Auparavant, on nous avait divisé. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cotonou, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal. Et lorsque Baham est venu radiallahu anhu, il a enlevé toutes les frontières. Il nous a mis devant Allah qui est le seul. Et la vérité qui est la frontière absolue. Donc, un Ivoirien peut se marier à un Nigérien. Et un membre du Bénin de se marier à un membre du Nigeria. Donc nous sommes devenus un seul mouvement. Donc, et ça s'est manifesté durant le zikr. Comme le disait le Coran, à la zikr là, t'as un relou. Lorsqu'on faisait le zikr là, on n'avait pas de race, on n'avait pas de pays, on n'avait pas de citoyenneté. Parce que nous sommes tous retourner là où nous sommes, et ça c'est le nom d'Allah. Donc, que Dieu bénisse son frère beaucoup plus, qu'il nous donne bonne vie, et tout ce qui lui soutient aussi. Ça va être fatigué. De sa part, je salue tous nos autres qui sont extraordinaires aussi, chacun de moi. Là où il vient, que le bon Dieu lui bénisse. Bon, moi je suis dans une tournée de la fête, comme j'ai dit. Bon, j'ai quitté le Sénégal, j'ai fait le Cotonou, j'ai fait le Nigeria, je suis arrivé à Abidjan, je vais aller au Ghana, retourner au Togo ensuite pour rentrer. C'est juste pour voir comment c'est développé ce qu'on fait. Parce que les gens ont tendance à ne pas être très sincères envers ça. Mais une fois arrivé là, et ce que j'ai trouvé, bon, Dieu merci. Alhamdulillah. Parce que, comme le disait Cheikh, c'est le seul chemin où l'homme passe et il trouvera un demain qui est meilleur que celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Parce que mon ami, Cheikh Ibrahim, il ne serait pas parmi. Bon, auparavant, ce n'était pas son objectif d'être Khalifa de Cheikh Ahmad El Tidjani. Mais par la grâce de Dieu, il est devenu. Si vous allez dans le cas de Cheikh Ibrahim, Cheikh l'explique. Les gens disent que je suis le Sahih Prophète. Je dis que moi, à mon âge, moi qui ne sais rien, il a dit une fois, il l'a tenté, il l'a pris. Il s'est léger, il l'a mis dans sa tête, donc c'est pas nous, et il dit que moi, je dépasse ce qu'on dit de moi. Allez regarder dans le livre qu'on lit, car je suis dans la base de mon âge. Pourquoi? Parce que ce sont tous les grands du monde qui sollicitaient cette position. C'est une cour extraordinaire que tout le monde veut. Mon âge, Cheikh Ibrahim, vous m'excusez, même son papa voulait cette position. Oui, en allant à la Mecque, il a passé par Fès, il a fait des ziyarats.
lorsqu'il faisait des ziyara, on avait dit qu'arrivé dans la mosquée de Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, bon, il ne faut pas demander à personne. Juste prendre tes askar et faire le contenu. Il y a quelqu'un qui se révélera pour te montrer la chemin, le chemin. En le faisant son peu, quelqu'un est venu. Il lui a dit, je sais ce que tu viens voir. Tu me suis, je pardonne un peu. Il lui a su, il lui a donné, ce sont des secrets qu'on ne dit pas pour demander au chef. Publiquement, il lui donne deux de ce qu'il voulait. Bon, il est content parce qu'il voulait quatre. Bon, on lui a donné deux parmi ces quatre. Là où il remercie Cheikh Ahmed Tijani, dans son mausolée, il est en train de remercier les gens que je vais continuer sur la main, Dieu merci. En cherchant quatre, j'ai trouvé des. Maintenant, Alhamdulillah, il s'est un peu somnolé dans son mascar. Lorsqu'il a somnolé, un esprit l'a éveillé. Lorsqu'il s'est éveillé, il a vu dans son éveillement que le crâne de Cheikh Ahmed Tijani s'est divisé en deux et Cheikh Ibrahim des hommes. C'est une révélation qu'on lui avait dit. On lui a dit que ce que tu viens chercher, c'est bon, mais c'est celui-là qui sera sans doute. Donc, comme c'est pas lui, mais c'est son fils, Alhamdulillah, ils sont contents de ça. Donc vous voyez là où émane le Sahib al-Fayl, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les grands chefs que Cheikh cite dans le Laylat al-Moutani, Mohamed al-Fayl, Mohamed al-Habiz, Cheikh Mohamed al-Fayl, tout ça ont voulu cette position. Mais Dieu l'a réservé uniquement pour Mohamed Cheikh al-Fayl. Même il n'a même pas cherché cette position, Dieu lui l'a offert. Parce qu'on le mit dans les écrits de Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala, il avait son calife qui est qui? Ali Al-Razim, radiallahu ta'ala. Ali Al-Razim, on lui a donné confier un askar qu'il aille faire à la mer. Bon, par la volonté de Dieu, il a vu quelque chose et il l'a fait là, l'endroit où on ne lui a pas prêt. Elle s'est tombée à Paris. Lorsqu'il s'est tombé évanoui, les gens ont cru qu'il est mort. Ils ont creusé et enterré Cheikh Ali Al-Razim vivant. Trois jours après, il vit encore dans son conseil, dans son femme. Bon, pourquoi? Ensuite, Cheikh Ahmed Tijani l'a dit, ah, vous avez fait une erreur. Cet homme-là n'est pas mort. C'est l'astral qu'il fait qui lui a tombé évanoui. Mais comme c'est la volonté de Dieu, comme ça, pour qui? Pour l'arrivée de mon ami, je ne sais pas. Donc, pour lui donner le calife là, il fallait passer par certains états. Donc, mon ami, je ne sais pas, est venu revenir par le talent. Il lui a dit, il nous a dit dans ses dits et ses écrits. Au lieu de dire, quand il y a pris des signes, il y a dit, on m'a créé pour enlever tous les maux du monde là. Parce que je suis créé seulement pour aider les gens à faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est maintenant le sur, c'est-à-dire le secret, qui a émané du prophète Mohammed et qui est maintenant réservé sur mon âme, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas réserver, parler d'un type comme ça là, parce que on nous avait dit qu'il y aura un type qui viendra, on ne connaîtra pas ici dans ce monde-là. Même à Yomol Akram, on ne connaîtra pas ici. Bon, qui est ce type-là? C'est notre cher bien-aimé, notre cher Mawlana Cheikh Ibrahim. On n'a pas de mots pour le qualifier. Moi, j'ai vécu toutes sortes de miracles, c'est Mawlana Cheikh Ibrahim. Toutes sortes de miracles que j'ai rencontrés. Être jeune. Je viens de Corporani de Baba Seyi, Seyi Ali Sissi. J'étais trop jeune. À ce moment, c'est moi qui éveillais les fils de Cheikh Ibrahim. Donc, après le décès de mon ami Cheikh Ibrahim, je suis entré chez Nora parce que j'ai entendu que Cheikh a vécu à Gabon. On appelait ça le bleu. C'est un passage un peu sombre parce que dans la famille de Cheikh Ibrahim, les hommes n'entraient pas chez les femmes.
Personne n'entrait pas chez les femmes. C'était écrit devant que c'est interdit d'aller chez les femmes. Mais les jeunes hommes qui ne sont pas âgés comme nous, on était à ce moment dans les campagnes. On nous avait donné la permission d'entrer pour réveiller les fils pour la révision chorale. Un jour, en entrant, par la grâce du bon Dieu, j'ai eu une révélation sur ce plan-là. On l'appelle pour cette barbasse toujours noire. On l'appelle blue, parce qu'on était jeune. Bon, c'est le passage qu'on doit passer avant de rejoindre les femmes. Parce qu'il y a un tour que faisait la maison de chef, mais il y avait un petit passage. C'est là où on a mis le tableau, n'entrez pas chez les femmes. Regardez-moi. Donc j'ai eu une révélation en entrant, j'ai vu une forme. Et je me fais marche arrière, je suis allé chez mon chef, je lui ai dit que j'ai rencontré quelque chose qui ressemble à Maulana Cheikh Ibrahim, magnifique. Bon, je ne savais pas ce que je disais, mais c'est ce que j'ai vu que je lui ai dit. Imagine, marie-toi à ton âge, tu vois quoi. Hein? Comme ça, là, je n'ai pas répété ce mot jusqu'à aujourd'hui. La deuxième fois qu'une révélation de Maulana Cheikh Ibrahim, j'étais sur la route de Gagne. On marchait, j'étais dans une voiture, il y avait eu un petit problème. Bon, les gens parlaient, chacun criait des choses. Là où je suis, je continue mon escalade. Bon, sans faille, et Maulana Cheikh s'est révélé à moi pour me dire qu'il y aura aucun problème. Comme il dit à cet animé, voilà, il y a ce qu'il y a, il y a un homme. La troisième fois, ça s'est manifesté sur Seyyida Maryam Yusuf radiallahu ta'ala. Bon, je me préparais pour aller à Kola, on s'est rencontrés à l'aéroport. J'avais une femme que je voulais amener à Kola parce qu'on avait presque 5 ans sans avoir d'enfant. Je dis que je vais amener à la mosquée de Cheikh. Parce qu'un de mes chefs, on appelle Cheikh Abdul Malik Malaki. Un jour, j'étais à Kola. Chaque jour, je me lève tôt, je vais à la mosquée et je prie. Je décide le daïra du matin sur la tête de chef. Un jour, je suis tombé malade, je n'ai pas eu le temps d'aller. Chef m'a réveillé, il m'a dit pourquoi tu ne vas pas à la mosquée du chef. Je lui dis je suis tombé malade. Il m'a dit non, chef t'attend, parce que chaque jour, il t'écoute, il a l'habitude d'apprendre ta voix. Il faut te lever et on va rester ça. Et j'ai fait les moyens. Je me suis préparé, réciter ça. Donc, comme ça, je connais ce qui est même dans la famille des nièces. Seyyida Maryam, je l'ai rencontré, elle voulait amener 21 gosses au Daru Qur'an, radiallahu anha. Mais le problème était dans le passeport. Certains avaient oublié du nom portant des filles, certains avaient le billet portant des garçons. Donc, mais le passeport n'est pas au même niveau que le nom du billet. C'est là qu'on a demandé qu'est-ce qu'on fait faire. Je dis, dans votre imam, il faut prier pour nous. Chaque fois, il faut tout faire. Radio Bahama. Il m'a tendu la main, il m'a prié. Je suis devant le guichet. Il m'a dit, c'est combien de passeports? Je lui ai dit, 21 ans. Il me dit, je rappelle les noms. Je rappelle les noms un à un. Et chaque nom que j'appelle, il me donne la carte dans ma commande. Sans même voir la passeport. Je suis revenu, c'est Seyyida Maryam, elle est très contente. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux au monde? Ma fille, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je lui dis, j'amène ta fille à Kola pour que Dieu lui donne un enfant. On a presque 5 ans, mais elle n'a pas enfanté. Elle m'a dit, elle aura une fillette, tu lui donnes un nom. Je suis allé à Kola, je suis de retour au monde. Un mois après, la fille a enceinté une fillette. Aujourd'hui, elle est dans ma maison et elle s'appelle Seyyida Maryam. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Donc si tu es sérieux dans cette journée-là, comme le dit Moulana, tu ne le trouves pas tout. Ce n'est pas un chemin seulement d'argent.
C'est un chemin de Dieu, il mène vers quelque chose. La ilaha illallah qu'on dit, ça affecte notre langue, ça quitte notre langue, ça vient dans notre cœur, ça émane dans notre cœur et ça devient quelque chose que l'on sent dans nous. C'est pourquoi quand on dit la ilaha illallah, nous sommes plus sur terre. C'est pourquoi, oui, il y a quelque chose qui nous élève sur terre pour nous amener là où certains ça. C'est pas nous tous. Ce milieu-là, tu ne peux pas l'expliquer si tu n'as pas les pieds dedans. C'est pourquoi le Coran nous dit Allah zikrillah tatmayyin qulub. Donc là, tu ne cherches ni argent, tu ne cherches ni femme, tu ne cherches ni homme, tu ne cherches ni fils. Parce que ce milieu-là est beaucoup plus cher que tout ça. Oui, oui, d'accord. Que ça soit sérieux, nous tous, nous n'allons pas devenir des millionnaires. C'est sûr. Mais il y a une chose qu'on peut partager et qui restera toujours. Quelqu'un qui aura et il restera toujours, c'est qui? C'est Allah. Toujours, il y aura un millionnaire, un milliardaire qui donne. Mais il y a certains membres de sa famille qui n'aura pas. Mais tout le monde devant Dieu, Dieu a la part de chacun et il peut donner chacun et il va toujours rester et il ne terminera jamais. Donc, c'est ça que nous a amené Moral Jacques-Marie-Ménès. Si ce n'est pas à cause de ça, je ne serai pas là aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de travail pour le faire de chef. Tout récemment, je viens de voir son vidéo, chaque vendredi, je le pose avec Moulin Chakamad Tijani, si c'est le demande à nous. Bon, je continue, c'est dans cette mosquée aussi. En entrant dans ce pays, j'ai dit à mon cher chef, je lui dis que ce zikr-là, il faut qu'on l'aille là-bas. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'attire dans ce zikr? Je le dis, c'est Allah qui tire. Quand il dit la ilaha illallah, Allah, ça fait monter les gens. Cette tonation-là, si tu es sincère dans ton esprit, dans ce que tu crois, il t'amène quelque part. Et là où il t'amène, là où il domine pour Jazaran, tu n'auras pas besoin de ce baron. Parce que là, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus bien, et c'est éternel, et ça ne finira jamais. C'est cette bonne position que le chef a battu jusqu'à arriver là. C'est pas si simple. Parce que c'est la solidité, c'est la continuité. Donc, le bonheur pourrait être beaucoup plus beau, parce qu'on va prier, et les gens seront rentrés aussi. Que Dieu en force le chef. Amen. Donc, j'ai demandé même si besoin d'un programme sur la radio avant de partir, vous parlez de la faille si possible. Parce que je suis né dedans, j'ai grandi dedans, je n'ai rien dedans. À cacher, bon, c'est le chemin que tout le monde peut emprunter. C'est le chemin d'Allah qui mène vers Allah et c'est pour Allah tout court. On a demandé à Cheikh Maïs ici. Qu'est-ce que c'est que le but? Le but. C'est prier comme l'a voulu le bon Dieu même. Vous avez compris? Il faut regarder le bon Dieu. Tout ce qu'il dit, il faut le faire. Tout ce qu'il importe, il faut le laisser. C'est là où on a un problème. Parce que dans ces nuits, il faut voir. Si vous voulez aller voir à la télévision un film, là, vous pouvez rester 5 heures de temps sans dormir. Et ce sont des choses qui ne sont pas rentables. Mais prenez pour votre personne. Commencez cela tout fatigue. De 10h, avant même 3h, vous allez commencer à être sommeil. Parce que c'est sérieux. Tout ce qui est sérieux est difficile. Et tout ce qui est difficile, il faut travailler pour en avoir. Donc, je remercie tout le monde pour être comme vous, plus particulièrement le chef et tous nos autres. Je vous remercie encore une fois. Et je remercie mon cher Nazir qui s'occupe de moi très bien. Et il a voulu que je connaisse aussi la Zambie. Et je suis là et je suis très rassasié par le zikr de Jumat qu'on a fait ensemble. Que Dieu bénisse tout le monde. Salam tout fatih. Les amis de mon frère, au roi de l'islam et au Tadim, au Frère, au Tofu, au Tofu. Alors, vous avez pu entendre, ça se passe dans tout commentaire. Non. La galaxie de la Féidra
est une unique galaxie. Non. Chaque point qui constitue cette galaxie-là, non, est le bon point. Tiens. Rien ne change. C'est à chacun de faire un travail sur lui-même. Non. Afin que mon âme de chef puisse aller sur le sens. Il est partout, hein. Tiens. Maintenant que tu travailles là, non, c'est vrai que tu le sens plus. Quoi? Même chez les cadres, non, chef professeur. Voilà. Voilà pourquoi tu sentiras quand ce cadre sera musulman. Non. Il sera ici le chef d'Antigène. Non. Ici de la feuille là. Ah. Chef Ibrahim va s'exprimer en lui. Quoi? Parce qu'il était déjà là. Tiens. On se rend compte aussi à Cheikh Ibrahim. Non. Comme l'a dit mon frère Cheikh Ibrahim, il a fait tomber toute la lumière. Non. Il y a plus de Yoruba, il n'est plus Yoruba. Tiens. Alors, si mon papa est revenu de 5 ans, c'est Cheikh Ibrahim. Parce que moi, c'est la maman qui est arrivée. Pardon. Oui, ça dit, il y a plus Yoruba. Non. Même si son papa est Yoruba, il n'est pas Yoruba. Non. Même si sa maman est Yoruba, il n'est pas Yoruba. Non. Parce que ce qui est ici là, ce qui est ici là, ce qui est pour vous là, non, c'est un mot de Païen. C'est ça qui est notre ennemi. Quoi? Tapez. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de pédé, il n'y a pas de roulé, il n'y a pas comme ça. Non. Il y a même un papa au roi. Ce soir, on a le chef de la mission de la guérison. Non. Nous disons merci à Païen, c'est charmant. Non. Aussi, il est important de souligner quelque chose qui est très fort. Non. Il dit quelque chose. Ah. Il dit, quand tu vas chez Cheikh Ibrahim Niass. Non. À un endroit précis où les femmes habitent là. Non. On n'a écrit aucun nom dans le temps. Tiens. Et c'est pas comme ça, même si c'est qui a dit Cissé. Non. C'est pas comme ça, même si Cheikh Hassan a dit Cissé. Non. Moi, quand j'étais chez Cheikh Hassan a dit Cissé. Non. J'étais pratiquement la seule personne qui va faire là. Tiens. Celui qui gardait la maison s'appelait Tom. Non. Il vient de la case en masse. Non. Cheikh Hassan m'a appelé de ma nommée. Il dit Tom. Non. Personne ne va d'ici là, à part chez moi. Oh, il y a pas de suite. Et bien, c'est juste normal. Non. Je vais aller ma petite soeur. Non. Je vais l'entrer. Ah. Bref. Non. Mais c'est important. Ah. Aujourd'hui là. Non. Les deux gros péchés du monde là, ah, c'est le sexe et le ventre. Tiens. Le sexe et le ventre. Non. Je reviens là-dessus, le sexe et le ventre. Hadra, il ne faut pas penser que tu es fort, hein. Ça va servir de terrasser, bien sûr. Très bon. Ce qui est bon pour toi. Non. Si tu as essence, ah, il faut te nommer le futur. Ok. Si tu es essence, non, il faut te noyer du feu, sinon ça va te doubler tout à l'heure. Yeah. Et c'est ce qui se passe entre l'homme et la femme. Non. Par le passé, il y a un homme de Dieu qui a fait 40 ans d'adoration. Non. Qui est son martyr. Non. Il était dans sa butte, dans sa porte. Yeah. Il a perdu 40 ans d'adoration. C'est le prophète Mohammed qui est allé le soir. Quoi? Et un jour, après, lorsque lui s'est abattu, non. Après la saison de la pluie, ah, les ailes ont commencé à germer. Non. La verdure a commencé à envahir. Non. Il a demandé à Dieu, je vais descendre en bas. Ah. Pour pouvoir ouvrir la verdure. Non. Il est descendu. Ah. Quand il marchait là, non, il a rencontré une femme. Ah. Il a commencé à poser avec la femme. Non. C'est là qu'il part tous les dangers. Tiens. Il pose. Non. Il la regarde, il la regarde. Ah. Finalement, il s'est retrouvé sur elle. Quoi? Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Non. Mais dites-nous qui comprend ça là-même. Ah. Allez. Alors, ce qui s'est passé, quand il a fini de faire ce qu'il devait faire, ah, il s'est habillé. Non. Il devait rejoindre sa porte pour aller à l'eau de Dieu. Ah. Il a acheté deux niches de pain. Non. Il y a un pauvre qui est venu, ah, moi j'ai faim, je veux manger. Non. Il a pris la niche de pain. Non. Il a donné ça au pauvre. Ah. Il a demandé à sa porte. Non. Pour continuer son adoration. Non. Quelque temps après, il est décédé. Non.
D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sallim, le jour de la résurrection il est arrivé. Non. Pour vous dire que tout est déjà fait. Non. Par rapport au monde, tout le monde sait qui va le faire. Non. Et si c'est déjà fait. Quel? Parce que le futur là, non, c'est le vis-à-vis de nous. Ah. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de futur. Oh. Il est le présent, le futur et le passé. Non. Le jour de la résurrection, ils sont venus avec lui. Tous les 40 ans d'adoration là, non, on a mis ça dans une balance. Ah. Le seul jour, non, où il est tombé sur la croix, ah, on a mis ça dans une autre balance. Non. Ça a pesé plus lourd que tous ces mérites. Regardez comment est-ce qu'on se retrouve soi-même. Tiens. 40 ans, ils ne sont pas. Non. Ils adorent et adorent un seul jour. Non. Il y a eu contact. Ah. Ça a gâté tout. Et avant maintenant, il était dans un état de désarroi. Non. Voilà que tous les bienfaits qu'il avait se sont découlés. Ah. À cause d'un seul jour des humains. Non. Mmh. Allez, dis ça aux jeunes. Ceux qui sont en train de marier, mariez-vous. Voilà. Si tu étais déjà marié, puis tu regardes une dehors là. Non. Marie là. Parce que tout ça est mieux pour toi que de tomber dans une. Yeah. Faut pas regarder quelqu'un qui va avoir peur de lui. Non. Faut avoir peur de Dieu son nom. Voilà. Quelqu'un m'a dit, ah chef, je veux prendre une deuxième femme là. Et je peur de ma femme. Non. Et toujours on le voit avec la deuxième femme qui ne veut pas la combattre. Non. C'est qu'il faut avoir peur de Dieu. Tiens. C'est vrai. Voilà. Non. Parce que si tu fais que le rôle là-bas. Non. Bon, là, tu es passé derrière. Merci à toi. Il n'a qu'à bien se réveiller. Au lieu d'avoir peur des hommes, non, peur de Dieu. Ah. Il est seulement pour moi qui dit merde pour Allah. On m'a dit. Tu es sous ma fille, non, et tu as peur de ta femme. Voilà. Si tu ne peux pas vivre là, toi, il faut accepter de vivre avec une femme. On peut vivre avec une femme. Non. Pourquoi tu ne veux plus vivre que tu as peur de ta femme? Voilà. Je ne suis pas en train d'encourager les gens pour aller prendre deux femmes. C'est pas ça. C'est pour mon fort. Je suis en train de vivre sûrement. Non. Au lieu de faire zina, non, au lieu de prendre deux. Ah. Si ça te suffit pas, prends trois. On fera. Si ça suffit pas, prends quatre. Non. Et peur est peur de Dieu sûrement. Tiens. On est quoi? On revient sur le soir. Alors. Maintenant, l'homme aille se voir. Voici la porte de l'enfer qui est ouverte. Non. C'est ainsi qu'ils sont venus avec les deux niches de pain qu'il avait payé, qu'il a donné à l'homme. Non. On a mis ça dans la balance. Ah. Automatiquement, ces mérites ont besoin de nous. D'accord. Un seul jour de Sadaka. Ah. Lui a donné une entrée au paradis. Non. Sous les serres parties à l'enfer. Voilà. Les deux péchés là, le ventre. Non. Tellement qu'on aime l'argent qu'on est obligé de mentir. Yeah. D'escroquer. Non. Ces péchés là. Non. Il faut avoir peur de ça. Voilà. Si tu sais que. Non. Quand tu brûles vite. Ah. Pour pas t'asseoir pour le feu. Yeah. Si tu sais que tu es une paille. Non. Ne t'assois pas à côté du feu. Ah voilà. Les hommes n'ont pas le même valeur. Yeah. Il y a des gens. Non. Même si la femme s'est déshabillée comme un commun. Non. Ça ne passe pas. Voilà. Oui. Ah, mais ils sont peu d'heures. C'est pas beaucoup d'heures. Ah, la femme de l'autre. Mais même quand tu es trompé, dis que quand tu es extraordinaire. Non. Il faut fuir ça. Yeah. Ah, pour avoir. Si tu as vu, tu dis je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Non. Regarde, tellement c'est doux. Non. Tu vas pas te manger. Yeah. Donc, tu veux non. Alors, bref. Aïe. Il y a un truc de zéro de la faillite. Non. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Non. Le khalif de la faillite. Ah. Cheikh Mohammed Mahi Ibrahim Yas. Yas. Khadim al-Oumma. Non. Il s'est rendu ces derniers temps-là au Soudan. Non. C'est bien de rapporter les nouvelles et les informations sur la faillite. Bien. Il s'est rendu
au Soudan avec une forte prédication. Non. Avec notre porte-parole de la FEIDA. Non. À la personne de Cheikh Mohamed Mahi Sissé. Donc on a parlé de Mahi Beu. Non. Mahi Nias. Non. Mahi Sissé. Non. Ça vous rappelle quoi? Non. Cheikh Ibrahim Nias. Non. Et c'est Mahi Sissé. Attendez. Non. Ils sont partis au Soudan avec non. une grande délégation. Non. Même le chef de chef pour l'autre fois. Ah. À la place de chef Tijani Hussein. Non. Nous-mêmes étions là-bas. Tiens. Chef Hajj. Non. Il était là-bas. Tiens. Beaucoup, beaucoup de gens non. l'ont accompagné là-bas. Une guerre qui durait pour des éternités. Non. La guerre de Darfour. Non. Grâce à cette baraka. Ah. De leur annuler au Soudan. Non. Cette guerre a pris fin. Attaquez. Quand on vous dit Bahi Nias la solution, non, on ment pas. Ah bah là, Bahi Nias c'est la solution. Voilà. Parce que les Nations Unies ont fait fatiguer, ça n'a pas bougé. Le Soudan a fait fatiguer, ça n'a pas bougé. Bien. L'unité, l'Union africaine a fait, ça n'a pas bougé. Non. Mais c'est ah. les enfants du Bahi Nias qui sont partis. Non. Nous n'avons pas eu à parler beaucoup. Bien. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. D'accord. Non. Il a déclaré la FEIDA alors qu'il n'a pas encore 30 ans. Tiens. C'est avec 9 ans que Cheikh Bramegas a fait la grande déclaration non. de la FEIDA. En qu'il a le détenteur de la FEIDA. Quelle est une valeur sans support? L'écriture, là, c'est une valeur. Non. Mais il faut quelque chose qu'on va écrire là-dessus. Tiens. Sur laquelle est une écriture qui marche sans papier. Regardez. On est ici, vous voyez, vous voyez, quelque part. Non. La FEIDA, c'est une valeur. Ah. La FEIDA a la vision d'un être humain. Tiens. Et là, tout de même, la FEIDA, c'est Cheikh Ibrahim Nias. Voilà ce qu'on appelle sort, il vous le fait, la Tijaniya. Non. Il a fait sa déclaration en 1929. Non. Parce qu'il est né en 1900. Donc, en 1929, il a quel âge? 29 ans. Tiens. En 1937, non. À une époque où faire le pèlerinage était difficile. Voilà. Tu pouvais trouver dans un pays. Non. Ou dans un village. Non. Ou dans une contrée. Une seule personne avait le Hajj. Tiens. Et quand tu viens du Hajj, non. Tu as comme un petit prophète. Oh. Oh. Mais il est parti. Non. Et à cette époque-là, oh. on allait par bateau. Tiens. Et. Au cours de ce pèlerinage-là, non. dans ce moment-là qu'il a rencontré le livre du canon, yeah. qui était déjà Tijani Adobayo, qui était déjà Tijani, parce que la Tijani est rentrée au Nigeria depuis chaque mois de l'été. Et ça, avant la naissance même, peut-être le papa de Banis. Wow. Mais eux, ils étaient déjà Tijani. Non. Ils étaient même informés. Il y a un homme qui va venir là. Il est extraordinaire. Il n'est pas comme nous autres. Voilà. Donc ils ont demandé à Dieu, Dieu montre-vous ce monsieur-là. Non. À vous, Bayo. Ah. Quand il est allé au Nigeria. Non. Je veux qu'il soit. Parce que là, quand le non. Dieu a proposé une rencontre en plus de la chère Bramignas, yes. il a pris la terre particulière. Oh. Et il était avec 40 personnes d'abord par Amadou. Non. Et tous. On peut inaugurer la Tijaniya dans les mêmes chefs de la Ménèse. Cette même année, non. et dans ce même pèlerinage, non. il a nommé un bout Adam au Soudan. Tiens. Oh. Parce que lui aussi me l'a montré, il était Tijanite. Non. Et il a renouvelé la Tijaniya dans ses chefs de la Ménèse. Oh. Et c'est lui qui a allé au Soudan pour parler du chef de la Ménèse. Non. En 1962, oh. Cheikh Bramé était parti pour la première fois au Soudan. Non. Et il a rencontré le grand soulèvement du Soudan. Non. Surtout dans le Darfour. Tiens. Le Darfour, la quasi-totalité des habitants du Darfour non. sont décidés de prendre la chef de la Ménèse. Oh. Et aujourd'hui, non. les disciples soufis, non. les plus nombreux non. du Soudan, ce sont les disciples de chef de la Ménèse. Tiens. Pour ça, il y a la technique à Sabani qui est là-bas. Non. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que les disciples de chef de la
Ramirez. Efficace, que dit-il de Charles Ramirez? Non. Il n'est pas dit d'autre chose. Alors bref, non. En 1972, non. On s'est dit 10 ans après. En 68, il a été là-bas la première fois. Non. En 72, il est arrivé pour la deuxième fois. Non. Mais avant, cela n'a pas envoyé son fils dans le monde. Bien. Qui était allé là-bas, non. Charles Ramirez. Qui avait reçu des autorités. Non. Si vous l'avez reçu. Wow. Et chaque premier, c'est en 72. Non. Ça veut dire combien d'années avant son décès? 3 ans. Non. Et c'était en 1975. Non. En 72, chaque premier, ça a été reçu par le président soudanais de l'Europe. Non. Il avait déjà un pas de l'Union. Lui-même est devenu disciple de Charles Ramirez. Nathalie Tijaniya. Non, Ramirez. Il y a certains enfants de Charles Ramirez qui étudiaient au Soudan. Non. Qui habitaient chez le président. Tiens. Vous, quand il disait à l'autre, il parle des arrivées à l'autre, il parle des Non. C'est comme ça que Ramirez a été. Non. Au moment où il passe des vies, il a souvent eu la parole de la vie. Non. Il a dit qu'il n'a pas de vie. Non. Il est mon seul objectif. Non. La communauté de Mohamed Mohamed Salah, c'est de guider vers la hara de Dieu. Tiens. Vous savez, un homme qui est guidé vers la hara de Dieu, non. Il devient. Khadimi ou Hada. Quel? Habib ou Hada. Non. Les servants de la Hada. Non. Les esclaves de la Hada. Oh. Si tu as eu la chance. Non. Parmi les esclaves de la Hada. Tu es sauvé. Waouh. Tu es toujours au service des hommes de Dieu. Non. Parce que les hommes de Dieu représentent la Hada de Dieu. Quel? Un homme de qui qu'il soit, non. Si tu le vois, tu as envie de servir. Parce que toi, tu es un serviteur de la Hadar. Non. Il te prend, il te transforme. Non. Il fait de toi un serviteur de la Hadar. Bien. Mais attention, alors, toi, tu ne peux pas être plus généreux que Dieu. Ah ben non. Quel que soit ton service à la Hadar, non. Le service que Dieu te donne là, non. C'est 100 millions de fois mieux que ce que tu vois à la Hadar. Bien. Parfait. Et c'est ça la générosité essentielle. Non. Et c'est dans ma son corps. Oh. Et c'est comme ça que tu as transformé. Non. Si tu es sincère dans ton service, pour les hommes de Dieu, non. Envoie et tu n'es jamais le dernier. Ah ben là. Là. Tu es là. Non. C'est pas que rien n'est bon. Ah. C'est pas que tu es prêt à mourir. Non. Mais tu as toujours une issue de sortie. Yeah. Oh. Tu vas te voir. Te disant pas, il n'est rien. Non. Mais pourtant, ce que tu es en train de réaliser là, même ceux qui ont l'argent ne peuvent pas faire. Voilà. T'as vu. C'est que le business. Voilà. C'est le business de la business. Parce qu'en fait, nous sommes tous des disciples de Amen. On a des disciples véritables. Amen. Dieu est dans sa baraka. Amen. Je remercie tout le monde. Amen. Je vais donc lever la prière. Non. Je remercie Seigneur. Nous étions Inch'Allah, non. Le frère d'Abouboub sont arrivés, non. Notre frère Ouattara Ahmed est arrivé depuis Katoulo, non. Le frère Cheikh Ibrahim est arrivé depuis le Sénégal et le Niger, non. Le Niger l'a dit, mon frère Mohamed Nassim qui est arrivé pour accompagner le frère, et tous ceux qui sont là pour Akhou Dawan, dans les gens qui viennent de la rue. On va faire tout à l'heure la hadia de notre vie avant de prier Inch'Allah. Bismillah. Voilà le cadeau que j'ai envoyé de toute face pour mon mosquée. J'ai envoyé le camarade et ça a été fatigué. Ça a été bourdé avec la main. Voilà, ça c'est pour mon mosquée. Si vous donnez le cadeau, vous êtes confondu aussi le cadeau de la mosquée. Non. Donc j'ai vraiment mon mosquée son cadeau et on va bien, j'allais dire, vous connaissez ici, pour que quand on rentre là, qu'on sache que c'est une mosquée d'Ibrahim. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله